Et je monte le son si je veux. 19h! 19h les gars, vous êtes bien dans The Big Gamers qui compte, allez-vous tout aujourd'hui? Très bien, oui, ben, c'est super parce qu'on va encore se faire un shoot. Et oui. Cette fois-ci, on va retourner dans les années 1994 sur du scroller horizontal et du scroller horizontal de Capini sur des cartes de SNK. Et ce jeu, ça n'est rien d'autre que Xenoblade Ragnarok. Vas-y, pète le son. Alors, Xenoblade Ragnarok, je ne le connais absolument pas ce shmup. C'est un scroller horizontal et moi, du peu que j'ai vu de la démo qu'on va regarder d'ailleurs ensemble, je pense qu'on va regretter amèrement, mais alors vraiment très amèrement, qu'il n'y ait pas de format un peu raboté pour pas tenir sur un écran 4 tiers. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Comment ça, j'étais super près du micro, mais non. C'est la musique, ça m'a excité. Un, dos, tres. Alors donc, oui, on a déjà l'évidence du 4 tiers. Et regardez-moi ça, pour un shoot horizontal, exploiter l'intégralité de la surface en vertical, c'est quand même super osé. Et en fait, toute mon appréhension de ce jeu tient à ça. Car vous savez très très bien que je suis un dieu des shooters horizontaux. Oh le gros mensonge. Alors comment ça se passe? Que du classique, hein. Tu évites un peu les décors, il n'y en a pas trop, là ça va. Et tu chopes un max de bonus, de manière à pouvoir tirer dans tous les sens à la fois. De pouvoir péter la gueule à tout le monde en même temps. Et que ton vaisseau passe sans la moindre rayure au milieu de ce joyeux bordel. Je sens que je vais l'aimer ce jeu. Il va m'aimer surtout. Même les bonus sont chiants à flinguer. Oh putain. Oui, mais je suis le master chargeant de Oncle la Barbe. Et j'ai un chat sur l'épaule. Non, je suis Charlotte. Et je suis Charlotte. Non, je suis Arnold. Et voilà. Pff, trop de choix, les amis, moi je vous le dis. On y va. Oui, alors des crédits, je vais en mettre. Hein, parce que je sens que ce truc, ça va pas le faire. Remets la musique. Piu, 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 on connaît. Kaboum, 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 on connaît aussi. Bon, bah ça va bien se passer. Speed, middle. C'est très bien, middle. Shot, ah bah vous me connaissez forcément. Roaming, très bien. Wave. Très perfectionné déjà la sélection du tir. Alors, ça veut dire que j'ai pas mis mon t-shirt de circonstance. Oh, il y a une toute petite inertie dans le vaisseau, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo au début. Et j'ai pas mis mon t-shirt de circonstance car si on me propose un tir par derrière, bah vous l'avez compris, c'est que ça va venir de par derrière. À un moment ou un autre, fatalement. Et là, on va vraiment, vraiment plus être potes avec ce jeu. Enfin, pour l'instant, ça va bien. Ça va trop bien d'ailleurs, c'est un peu étrange. Non, pas le décor, purée bordel de l'île Sabor. Alors, si vous entendez bien la musique derrière, je vous conseille d'en prendre vraiment beaucoup, quoi, pour que ça aille bien avec. De quoi je parle? Je ne sais pas. Pff, libre à vous d'interpréter. Hein. Mais c'est un peu... Ils sont un peu énervés, quoi. Non? C'est une impression. Ok. Évite le décor, Poussin. Évite le décor, Poussin, évite. Regarde-moi ces traîtres, regarde-moi ces fourbes, regarde-moi ces lâches. Mais regarde-moi cette incarnation du pas sympa, quoi. Je sais pas comment je suis passé, les animaux. Alors, tant pis pour le bonus, je sais pas ce que c'est. Il me rebondira bien dans la gueule à un moment ou l'autre, voilà. Ah, il est chaud chaud ce jeu, hein. Ça commençait bien tout à l'heure. C'était le tutoriel, et puis là, le drame. Ne te crache pas.
Alors j'ai toujours pas essayé ma super bombe, j'ai ma fierté, mais ça va pas tarder parce que je sens, je sais pas pourquoi, une certaine hostilité en fait. Je sais pas si ça vous fait cet effet. Pourtant c'est étrange, hein, on a l'air d'être cool là quoi. On est tous des petits Fonzi comme on dit. Non pas des tifosi, des petits Fonzi. Ouais, j'articule très mal. J'arcule quand j'avance pas quoi, c'est clair. Alors pour l'instant, le jeu est très jouable. Donc il peut pas finir en grenier, c'est impossible. Il arrive à être jouable dans du 4 tiers, ce qui au début n'était pas gagné pour moi, hein, parce que vous avez vu comme c'est encombré. Moi je me disais, mais je vais crever toutes les 20 secondes quoi. Jusque maintenant, ça se passe pas trop mal. Maintenant il a des boss. Et là je vais peut-être réviser mon jugement, je vais me dire oh, alors la machine ralentit, c'est rigolo. Non, je ne te bomberai pas ta jolie petite gueule. J'ai ma fierté. Ceci dit, on le fera parce que il faut qu'on voit cette bombe comme elle est belle, comme elle marche bien, comme elle est trop géniale. Et comment il me cherche là ? Bon, ce fut rondement mené. Hein. Alors, ZZZ, est-ce que t'es sélectionné ? Ok, oui. Est-ce que tu vas être un top ? Ah, ça, c'est à tiens qu'à toi de le montrer. En toute logique, normalement, sur ce niveau, bah, je devrais commencer à en baver, vraiment. Oui, je suis le maître étalon du shmup, j'ai décidé maintenant. Quelle prétention. Non, mais disons que, vu que j'en ai bouffé tellement, je pense que je raconte pas trop de merde quand il s'agit d'estimer ce que vaut un titre. Et du coup, on voit que là, le truc, bah, c'est bizarre, j'ai trouvé le bon endroit sans vraiment le chercher, ça se passe pas trop mal. Ça va être un peu long peut-être, mais je pense que je vais pas trop me fatiguer. Voilà. Oui, et là, je pense que ça va commencer à devenir panique. Panique à la playa, comme on dit. Oh, 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 oh. Je suis pété de bombes, va falloir que je m'en sers, hein. One up. Mais tu joues comme un dieu. Alors peut-être il est trop facile ce jeu. Parce que je l'ai jamais parcouru. Et c'est vrai que bon, les patterns sont d'un classique. Voilà, ça n'a pas inventé la foudre. Ni les éclairs. Et encore moins le tonnerre. Niveau lisibilité, c'est propre. Même si des fois il y a des trucs oranges que je vois pas trop. Bon, c'était moche. Non, oh, tout ce stock de bombes qui va partir à la poubelle. Ah, oh, quel abruti. Petit amateur là. Oui, je fais mon autocritique. Comment ça, je suis pas chez un psy. Fallait le dire avant, les gars. Oui, je suis colère, je suis gros, je suis gros, je suis gras. Mais je suis pas gros. Comment ça va se présenter ? Alors, vu son accessibilité, c'est un shoot, je vais pas le recommander au hardcore de la boulette. Il est un poil facile du coup. Par contre, bah c'est bien d'avoir des jeux pour tous les niveaux. Et alors les gens qui sont pas trop fortiches en shmup, bah je les invite à jeter un coup de patte dans ce truc parce qu'il est marrant. Puis regardez-moi ça, on se croirait dans Rez mais en 2D. c'est la seule inspiration que j'ai trouvée, hein. Je suis désolé. Hop. Les patterns sont originaux. Originaux dans la limite du raisonnable. Et j'ai pas trop galère à piger comment ça fonctionne. Je vous dis, on n'ayant jamais parcouru le truc, on le voit venir quoi. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui est vraiment très équilibré. Bon, lui il veut pas trop crever, j'ai l'impression. Monsieur, il s'en fout, je suis derrière, tu sais, il regarde même pas. Monsieur, hé, toi l'autre, gilet jaune là. Alors quand le stream passera, je pense que les gilets jaunes ça sera plus du tout d'actualité, mais bon, je le casse maintenant. Je suis un CRS de l'espace, ça a toujours été mon rêve. Ah ouais, mettre des coups de matraque. Allons matraquer cette planète. Troisième niveau, et je m'en tire pas trop mal.
pour quand même, je le rappelle, une surface d'écran qui est, moi je trouve, vachement réduite. Hein. Oui, ah, c'est bien vif. Alors là, je crois que je vais commencer à un petit peu saigner des yeux. Alors si ma voix se recule, c'est parce que effectivement, je me recule. Quand ça devient compliqué, on a besoin d'avoir une vision plus globale de l'écran pour que ça passe à peu près. Oh papa, il a changé son pattern, le con. Et monsieur, quand on change de pattern, on prévient. Et oui, parce que moi, j'ai pas vu venir. Oui, c'est ma première fois, donc faut être gentil un peu. Hop. Allez, petit jeu, un petit effort. Il ne tient plus à grand chose que tu sois vraiment dans les jeux de ouf. Hop, c'était moche ça. C'est toujours aussi moche. Oh le fumier. J'ai bien envie de te mettre dans les tops. Regarde que tu mets la misère. Ah non, on n'arrête pas maintenant. Ce jeu m'a échauffé. L'échauffement fut long, mais maintenant il y a moyen qu'on discute. Yaha. On prend mieux pourquoi il y a un tir arrière. Il s'est sacrifié en me bouffant. Il a fait un burger avec mon vaisseau en guise de barbac. Alors, il n'a pas encore trop abusé des ennemis qui arrivent par derrière, mais je redoute énormément. Oh purée, je l'ai pris. Comment tu tires? Hop. Bouge pas, ça va bien se passer, regarde. Non, écoute Maurice, je t'explique. Bah oui, t'aurais pu mourir plus tôt, ça m'aurait arrangé, là, je suis passé pour un fif. Alors moi, ce que je trouve qu'il lui manque, c'est plutôt qu'un armement de ouf comme il a là, c'est un tir chargé, ça aurait été sympa. Mais bon, regardez-moi ces sprites, j'ai plein d'idées. Et je sens que si je le laisse rentrer dans l'écran, lui, il va me faire une misère. Non, tu ne rentres... Mais reviens là. Là, hop. Oui, ben, un coup dans le zag, c'est évident. Reviens, Maurice. Oui, tous les méchants s'appellent Maurice dans les jeux, vous l'avez remarqué. C'est la team tous à poil, hein. Je sais pas pourquoi on a tous décidé de... Et oui, je me suis pris ces flammes dans la gueule. De souvent donner des prénoms très très cons aux méchants dans les jeux. Yes. Je regarde le compteur, faut que je vous fasse faire une heure quand même dessus. Oh là, j'oublie tout le temps que la flamme elle compte. Et du coup je me fais avoir comme un bleu. La flamme elle compte. Quoi? La quoi? Le truc au bout là. Et la queue, oui, elle tire 3 tirs en même temps, c'est... faut pas rester à côté, monsieur. Bah non. C'est mal. Sa mère. Je me suis fait avoir. On va dire. You, non, moi. Comment il sait ça, lui? Incroyable. Donc, petit Ragnarok, petit Zedo Bledo, je crois que tu vas aller dans les tops. Parce que. T'es de 94, et en fait t'es pile de ton époque, ouais. On n'avait pas encore les 16-9 de partout. Il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas et que t'aurais pas pu anticiper, donc c'est à peu près normal. Et la jouabilité pour un 4 tiers, je suis vraiment épaté, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à un truc pénible. Comment ça, j'ai filé le pénible façon méchante en appuyant bien le P? Ben oui, vous voulez dire comment? Pénible? Non, pénible. Et pénible, il n'est pas. Et c'est une super grosse nouvelle, une grosse nouvelle. Enfin, il est en train de grossir, c'est moi là. Parce que l'écran à deux, on va plus rentrer à un moment. Hein. Ah non. Kaboum! Ah oui, mais je sais qu'il fallait changer de place, j'ai compris. Tu veux ce fauteuil là aussi? Hop, papa! Et il s'est séparé en deux morceaux, ce fumier, en plusieurs morceaux, en plein de morceaux. Et mon bonus, je me le mets dans... J'ai pas entendu. Non, ça y est, il y a eu du grésillement sur la ligne. Vas-y, répète. Oui, le cubitus, c'est ça. Alors, kaboum. On va faire du kaboum, hein, parce que ça, c'est très mal engagé pour que je reprenne. Kaboum.
Ah bah oui, mais monsieur, il fallait pas être désagréable comme ça, quoi. Puis quand on vient, qu'on se démultiplie et qu'on prévient pas, alors qu'il y a une sonnette hein, sur la porte d'entrée. Même pas peur. Allez, Z-Blade, tu es dans les tops. Tu l'as bien mérité. Ça change, ça nous fait un shooter horizontal où il n'y a pas trop à se rappeler du décor, contrairement aux autres. Bon, là, ça commence à devenir un poil... Je te fais un peu de l'ambiance. Mais bon, jusque-là, vous avez bien vu, j'avais pas des couloirs complètement étriqués avec des parcours improbables sur lesquels j'aurais pu pleurer de chaudes larmes, déjà. Eh bien, il manque juste des pauses, en fait, de temps en temps, parce que... il me fatigue, là. Oh, la vache! Mamma mia! Oh galéo, oh galéo! Oui, c'est très la mode en ce moment, Queen, au moment où j'enregistre ce stream, et donc, forcément, on se surprend à chanter des mélodies écrites par Brian May et chantées par ce moustachu. Aïe, 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 faut pas rester sur le bord, monsieur. Ne reste pas sur le bord, c'est mal. Tu vas avoir plein de problèmes. Non, hop, et hop, on se débarrasse du problème, là. Voilà. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, et là, j'en ai marre. J'en ai un peu marre. J'en ai beaucoup marre, même. J'en ai moyen. Oups, on va savoir. Non, beaucoup marre, quand même. Je sais pas comment c'est passé. Non. Macron bien. Regardez-moi cette espèce de... Je ne dis rien. Je laisse votre imagination complètement tordue et improbable. Essayez d'interpréter des choses cachées dans ces formes géométriques. Et cette pluie infinie et continue de boulettes qui me tombe sur la gueule. Et c'est pour ça peut-être que je pars un petit peu tout haché sans reprendre ma respiration. Je peux avoir le 1-1-9 au moins. Je le mérite là, j'ai bien bossé non? Allez. Bref, c'est moi qui gagne. Oh putain, j'ai oublié, j'avais mes clés qui me... Ah. Oh purée. Ouais non mais j'ai craqué là, On dirait le dernier passage avant le boss dans Last Resort. Allez savoir, c'est peut-être les mêmes qu'on fait le truc. Ah purée non. Il est tendu ce passage sur son final, si on se laisse déborder, aïe. C'est ce qui va se passer, parce que là je regarde le temps et je me dis... il y a des chances qu'on le fasse en entier. Bah oui, il a suscité ma curiosité, et j'aimerais bien voir ce qu'il y a jusqu'au bout pour me dire... est-ce que ça serait un 1 à mettre en challenge genre, allez on se fait 1CC celui-là. Et je pense que oui, il est à mettre dans des trucs à 1CC parce que... ça n'a pas l'air surhumain. Là, j'ai fait une grosse connerie. Ça n'a pas l'air surhumain. Et le jeu est très permissif, hein, comme vous avez vu. Et si on gère à peu près bien, sans se laisser déborder comme je suis en train de le faire en ce moment, parce que c'est n'importe quoi ce que je fais, j'ai totalement honte, mais j'assume. Ah, bouge ton gros bourrouge plus loin. C'est venu tout seul? Non, c'était mûrement réfléchi et calculé, bande d'andouille, va. Aïe. Veux-tu bien crever, espèce de zboob? Bah oui, parce que c'est très tendance les zboobs au moment où j'enregistre aussi ce stream. Bien à vous les amis. Et donc... forcément, dans un shmup, on aime le zboob. Comme dans n'importe quel autre jeu, de toute manière. Mon dieu, mais il est infinissable ce truc, je vais finir par lui bomber la gueule, là il est en train de me... voilà, il était en train de m'épuiser. J'ai cru que j'avais pris un météore sur le... juste après l'explosion du boss, j'allais dire, objection, replay vidéo, je veux l'arbitrage vidéo. Allez, on va le mettre dans les tops. Oui, Z-Blade, tu es dans les tops. Parce qu'il y a du pixel love aussi derrière, regardez-moi ça. C'est chouette. Ça scroll, c'est souple, c'est jouable. Ah bah fallait bien qu'il y en ait un que je fallait bien qu'il y en ait un que je me prenne. Alors je pense que si on connaît un peu les armes, on doit savoir lesquelles prendre pour passer mieux certains niveaux comme dans tous les shoots. Hein.
Là, c'est vraiment le premier run, donc je me permets d'y aller un peu bourrinos. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Non, je connais le truc. J'ai déjà vu. C'est maintenant que je connais plus le truc. J'ai déjà vu, mais je veux pas. I don't want. No. It's bad. It's really, really bad. You know it's bad. Go devant. Laisse-moi passer, espèce de... Il est stressant ce boss, il est tout simple et il est super énervant. Bourrez-vous, je passe. Bon, la musique par contre, c'est... Qu'est-ce que tu fais? J'ai un vaisseau, je m'enfuis de Las Vegas en vaisseau. Oui, j'ai complètement ratiboisé le casino et... Du coup, il m'envoie à tous les services d'ordre pour essayer de me rattraper et m'empêcher de changer d'état où je serai enfin libre de dépenser cet argent malhonnêtement gagné. Non, l'Asie quand même, c'est un poil bizarre. Peut-être le seul truc qui va pas du tout avec les images. Oui, bah, il fallait pas, là. Bah, j'avais prévenu. Hein. J'ai pas tendance à trop bomber dans ce jeu, apparemment. Parce qu'il est pas si dur que ça. Mais, voilà. Il y a quelques runs préalables à faire pour apprendre le minimum syndical, comme on dit. Ou comme je l'ai pas vu venir, celle-là. Non, je continue, moi j'aime bien. Je ne me force pas. Donc comme quoi, le placer dans les tops, c'est pas exagéré. C'est traite quand même les morceaux qui explosent et qui te pètent à la gueule. Ah mais j'étais obligé là, j'ai été totalement débordé. Je ne savais plus quoi faire. Qui, quand, où, quoi? Où est donc Ornicard? Mourez, bande de méchants bad vilains et... Non. Ils sont très pénibles, ces zbooms. Oui, parce que c'est encore des zbooms, hein, sauf erreur de ma part. Et puis, il en envoie un. Il a dû avoir une promo sur un site de prod. C'est fait. Ouais, je vais m'en commander plusieurs, ce sera fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces zboobs? Aucune idée. Faut demander à Loki. C'est qui Loki? Tu vas voir. Oula, la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, t'as le nez tout blanc. Qu'est-ce que c'est? Ah, quoi? Comment? Non, pas le milieu. J'ai pas ma hitbox en tête, donc du coup mon vaisseau est énorme et j'arrive pas à matérialiser ce qui passe exactement entre les trucs. Comment ça, c'est une très mauvaise excuse? Elle est très très bonne. C'est vous qui êtes mauvaise langue. Ah, papa, il y avait un moment, fallait plus rester au milieu, c'était évident. Erreur de débutant. Je crois qu'on va se faire en entier, mes amanches. Il est en train de m'exciter, il est en train de me provoquer. Il est en train de croire que je suis faible, alors qu'il se leurre totalement, puisque regardez-moi ça. Je gère comme si je l'avais parcouru déjà 15 fois, ce qui est vraiment le cas. Non, mais ce qui aurait pu être le cas, si on s'était connu, vu que j'avais la SNK, et que je vais parler en rime maintenant, pour mettre un petit peu plus de complications dans ce jeu qui est beaucoup trop simple à mon goût. Ouais, c'est vrai que je le trouve un poil facile, hein, parce que c'est étonnant que j'en chie pas plus, hein, je le dis clairement. Il en est mort de désespoir de tout ce que je disais de méchant. Mais non, c'était pas si facile, regarde, tu m'as pété plein de vaisseaux, reviens. Tout ceci n'est pas une question de chance, mais une question de skill. Pauvre naïf. Je commence à fatiguer, j'aurais dû enlever mon pull. Ouh là 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 là. Ça commence à swinguer les amanches. Ouais non mais là c'est... il me fallait un peu de place. Hop. Faut que je matérialise ma hitbox. C'est à cause de ça que j'arrive pas bien à passer. C'est dommage parce que ça tient que à ça. Comment ça mauvaise excuse? Ouais je vous garantis que si c'est une très bonne excuse. Et c'est la vraie. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Alors c'est dommage qu'il renouvelle pas ces petits boss de... C'est mid boss quoi. Parce qu'il y avait un truc à faire peut-être.
ça devient corsé. Oui, j'ai bugué du coup. Alors je pense que c'est le dernier niveau parce que celui-là il se mérite un niveau de difficulté, c'est... T'as voulu jouer, on va te faire jouer. En plus il y a des mecs qui font du ski nautique, là où c'est interdit, c'est nul. Quelle zette en celle-là. Bim. Merde, je me suis pas synchronisé sur le bon rideau de balle. Dommage qu'ils aient pas varié ces boss. Les patterns changent un petit poil, enfin, ce qui les accompagne aussi. Mais du coup, ça manque de graphistes, les gars. Hein. Il était en grève, il y en avait qu'un. Ouais, il y en avait qu'un, ça se voit. Ça se voit, mais totally. Ah, puis la musique... Comment dire? Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. The boss, I guess, is the last boss, for real. Is it? Big Bill. Grosse facture. Ok, on y va. Fallait me la présenter un jour ou l'autre, de toute façon. Oui, nous ne sommes pas dimanche, et j'ose les jeux de mollets. Mais, bah, il fallait bien que ça arrive. Hein. Que je me lâche un peu en semaine. Putain, sa mère, il est vif. Oh la vache. Oui, j'ai changé le nom pour la peine parce qu'il m'a un peu terrorisé. Je pense que ça va se régler à coup de bombasse. Bon, pas très long. Genre là. En fait, le petit qui passe au-dessus, c'est vraiment très traître. Du calme, les gars, du calme. Je ne me rends pas. Et si tu me présentes encore un niveau, ben c'est pas grave, je vais assumer totalement. Ouh. C'est parti, 27 minutes de stream. Oui, ce sera un full run, vous l'avez deviné. Bah, le jeu, je l'ai validé, faut que je l'essaye tant qu'à faire jusqu'au bout, ce serait sympa. Avoir autant d'enthousiasme et le laisser retomber, là, va falloir bomber à répétition, je crois. Hop. Oh le fufu, ah, le miemier, ce dernier niveau est juste cauchemardesque, un niveau difficulté. Il y a une courbe de progression qui est là, elle vient de se redresser vers la verticale. T'es pas potible du tout, t'as monsieur. Non, c'est que des trucs croisés quoi. On se croirait dans le slip d'un mec qui joue du marteau piqueur quoi. Oui je sais, c'est un très très mauvais exemple, mais vous avez compris, vous avez saisi ce que je voulais faire passer. Oh purée, non, il est cauchemardesque ce niveau. Ah, oh, et le par derrière. Pou, qu'est-ce que je prends dans la tête. Alors celui-là, je pense que c'est le niveau, si vous voulez, le 1CC, qui va vous demander de le bosser, mais grave. Parce qu'il y a un niveau de perversion là, c'est assez élevé quand même. Regardez-moi ça, regardez-moi cette bouillasse de pixels, on dirait un vertical, mais qui se serait goué de sens, quoi. Hop, 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 hop. Calmos, zen. Flingue-en au moins en bas, voilà, que tu te fasses pas déborder. Oh, putain. Dès qu'il y en a plus de 3 à l'écran, c'est fini, quoi, vous êtes mort. Et pas qu'à moitié. Oh là 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 là, oh c'est magnifique ça. Mortel et magnifique. Oh papa 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 papa. La vache, que ça envoie. Oui bah alors, pour le 1CC, je m'y engagerai même plus là, vu la difficulté de ce niveau. Sans exagérer. Hein. Je pense que même en le faisant plusieurs fois, en le répétant un minimum. Il va demander pas mal de temps pour être maîtrisé le pépère, ça vient de tous les côtés, il doit y avoir un ordre très spécifique pour prendre des bonus, flinguer tel truc, donc tel ordre, parce que sinon on se prend la barrière des deuxièmes trucs qui arrivent derrière, parce que... Bon, je pense que c'est pas le dernier boss. D'accord?
et qui va mourir en 3 tirs. Soyons clairs. Ça va être très facile, ça va être très simple. Qu'est-ce que c'était? Quoi, conco, quoi, quoi? Oh la lisibilité, ça part en live. Je passe. Oui, bah j'ai tiré ma bombe, je suis invincible. Ça a marché, j'en ai profité. Hein. Je voulais tenter la lacune. Oui, bah le lâche essaye toutes les techniques. Oh, putain, les trucs bleus, on les voit à peine. Comment ça, tu es vieux, monsieur K? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, je vais vous raconter des conneries. C'est incroyable, cette médisance envers les vieux. Je sais pas d'où vous sortez ça. Hein. Non, mais les trucs bleus, je les vois pas. Vraiment. Même en forçant. Ils auraient juste changé la couleur du fond. Je pense que ça passait vachement mieux, quoi. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Ou si c'est une petite faute d'inattention. Et les mecs, ils continuent de te tirer dessus alors qu'on t'a neutralisé ton tir à toi. Et oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quand? Soudain? Non. Attends, laisse-moi quitter mon pull. Oh, putain. Oui, madame. J'arrive. On dirait la... Vous êtes la dame chez les Borg? Les tennismen, là, qu'il y a dans Star Trek. Bon, ils sont un peu gothiques, quoi, mais ils sont sympas. Il suffit d'être sympa avec eux et ça se passe pas mal, je pense. Oui, je me suis dit que changer de côté, ce serait peut-être une bonne idée, parce que bah, c'est un peu encombré, là, cet écran, dedans. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de me charmer, je pense. Elle essaye des trucs, hein. Moi, je suis pas un homme facile, bien entendu, et donc, je ne me laisserai pas leurrer. Surtout qu'elle est à moitié transparente, ça veut dire qu'elle doit pas prendre mes tirs, en plus. Là, elle se marre, elle se fout de ma gueule. Faut dire les choses clairement. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, la punition, ce niveau! Le précédent et celui-là, ça va être violent, je sens. Madame, madame, il faut pas rester là. Non, 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 non. J'enregistre un stream, moi. Eh oui, vous allez me foutre la loose, là. Et c'est pas le but du jeu. Aïe, 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 aïe. Oui, bah, bah, un peu de lâcheté ne fera pas de mal. Ma zette! Ce niveau est fourberie, ce niveau est traîtrise, sur un 1cc, je demande à voir, parce que... Ça envoie, hein. Alors oui, Zblade, tu vas rester dans le top, mais... quelle méchanceté, ces deux derniers niveaux, dis donc. Et j'espère qu'il n'y en a plus un après, du coup, maintenant, parce que je me demande ce que je fais là. I've got no idea of what I'm doing here. Parce que là, les crédits, ça s'enchaîne. Hein. Crève, 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 crève. Et là, elle va enfin se matérialiser et je vais voir son vrai pattern qui va être totalement invivable. Et vu qu'aujourd'hui, j'ai fait un effort, j'ai mis un V. Puis d'habitude, les streamers fidèles savent très bien quelle lettre j'utilise. Faux, faux, faux. Moi qui n'ai pas l'habitude de me déplacer comme ça, ça fait un peu bizarre. Hein. Désolé, il a fallu que ça parte. Faux focus devant, faux focus derrière, faux focus en haut, faux focus en bas. Ce niveau est épuisant. Ça va barder pour moi, ça va barder pour moi. Je le savais. Et alors pourquoi tu as laissé faire? Parce que je voulais être sûr. Il y a eu un petit délai avec ma bombe mais on a eu un certain désaccord, comme on dit couramment dans les zones d'entretien diplomatique. Elle se fout de moi. Matérialise-toi que je te mette ta tannée. Ça a bardé pour ton matricule, tu vas voir. Tu vas prendre une... Qu'est-ce que quoi? Comment? Ça me suit? Ça me suit? Je ne veux pas! C'est en train de me pourrir mon écran! Bu bu bu! C'est quoi ce truc? Lâche-moi! On n'a pas été présenté! Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, personne ne se connaît!
On est incognito. On ne veut pas savoir ce qui va. Oh, regardez un 1CC de ce jeu, c'est improbable la fin. Les deux derniers niveaux sont juste vicelard, mais comme on avait rarement vu quoi. Je vais tout bomber, j'ai plus que ça à faire. C'est où ça où je pleure. Et vu que j'ai pas envie de pleurer, je vais bomber. J'ai ma fierté encore. Et le truc rouge s'est décollé. Le truc rouge est en train de faire des conneries. Bu. Oh putain. Au moment où je prends ma bombe. Call me boulet. Oui bah lui je vais bomber le cake parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore fini? Infirmière. Oui, éponge. Sous les bras. Ah, oulala. Encore. Oh. Oh. Ce fut un grand coup de chaud ces deux derniers niveaux, les amis. Oui, bah maintenant, si tu me dis qu'il y en a encore une, je vais peut-être poser le pad. Comme les gens qui jettent leur micro. Ah, return to the base. Oui, rentre à la base. Tu l'as mérité. Un petit chocolat chaud et au lit. Allez. Infirmière, mon seau pour cracher. Oui, j'ai besoin là. Ouais. Deux. Eh bien, Zedo Bledo, tu es dans les tops. Je le confirme. Malgré ta méchanceté pour ces deux derniers niveaux qui sont... bah, je pense que c'est ceux qui vont tenir la plupart des gens en haleine pendant très longtemps. Parce que avant de les passer sans se faire éclater, comme on a pu le voir, va y avoir un minimum de répètes syndicales à faire dessus. Et voilà, une bonne nuit après un chocolat chaud et une nuée de boulettes. C'était Z-Blade. Je vais vous laisser avec les deux playlists habituelles et puis je vous donne rendez-vous demain à 19h pour soit une nouveauté, soit un arcade légende, soit bah, encore un shmup à explorer. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.